Eh bien, bonjour à tous les amis et bienvenue en ce 10 décembre. Alors aujourd'hui, voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, je dis tous les jours la même chose, une petite spéciale, donc c'est une bière que je ne connais pas, une Brahma, donc une cervoise du Brésil de Rio de Janeiro. Donc voilà. Alors, petite bière, 4,3 degrés, donc c'est encore... Bah là, on le voit vraiment qu'elle est blanche à travers la bouteille. Donc, une petite bière à 4,3 degrés qu'on va ouvrir directement. Voilà. La petite capsule, bah, c'est le logo de la brasserie. D'ailleurs, une brasserie qui existe depuis 1888. Donc, ça fait un bail. Donc, on va déguster ça directement. Parce que c'est du blond plus blanc que blanc. Non, je rigole un peu des bières comme ça, mais il y en a qui sont pas mal au final. Donc regardez, tranquillou. Voilà, une dose de bulles normale, les petites bulles qui viennent se coller sur le verre. Voilà. Voilà. Ça sent la bière blonde légère, quoi. C'est comme tu pourrais dire une bière de table ou un truc comme ça. Donc alors à savoir, juste avant de goûter, que là, la Brahma est une marque de bière ainsi qu'une brasserie brésilienne fondée en 1888 par le Suisse Joseph Villagers, qui appartient aujourd'hui au groupe brassicole belgo brésilien Amsteln Brugge in Belg. Voilà. Donc en fait c'est une bière de base brésilienne qui est un petit peu devenue belgo-brésilien, quoi. Bon, voilà. Alors, Brahma est la deuxième marque de bière la plus consommée au Brésil et la cinquième au monde. Donc la cinquième au monde, et moi je la connais même pas. Voilà. Elle est disponible dans plus d'un million de points de vente dans le monde, bien qu'elle soit totalement originaire du Brésil. Brahma est aussi une marque internationale d'Ambev. Voilà, donc c'est une autre sous-filiale qui vend la bière comme ça, mais donc, voilà, c'est une bière qui est vendue partout dans le monde. Mais dans notre petit pays de Belgique, ils se disent « Ouais, elle est peut-être pas bonne, elle est peut-être trop light pour eux, donc on va même pas en mettre dans leur pays. » À mon avis, c'est ça. Donc allez, santé à tous. C'est vraiment une, ouais, comme une bière de table, en fait. C'est que dalle. Coupé avec de l'eau, quoi. Voilà, non, c'est coupé avec de l'eau, c'est pas... Voilà, c'est encore une bière qui... Voilà, il y a un bruit là-bas chelou derrière. Ouais, c'est vraiment une bière qui est coupée à l'eau. Et moi, j'avais sorti le spécial Nachos du Brésil, là, et du coup... On n'a même pas besoin d'un... Franchement, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et une chips avec de l'eau, c'est dégueulasse. Hein. Ah, c'est pas bon. Donc alors, aujourd'hui, voilà, sur ce... Là, c'est de la pisse de Hooper, les gars. Voilà. Je vous remettrai ou je vous partagerai à l'occasion la petite photo de la bouteille de la pisse à Hooper créée par l'ami Sub-Zero. Voilà, donc à cette santé d'Hooper, à la santé de la pisse, là. Donc, non, voilà, si vous voulez, parce qu'à mon avis, une bière comme ça, on va te la vendre 3-4 euros dans un bar brésilien. Ça vaut que dalle, tu vois, ça vaut que dalle. Voilà, c'est de la flotte. De la flotte sans mousse, vraiment, voilà, je vous la recommande pas du tout. Et qu'est-ce qui marque ici? Boum. À consommer, de blablabla. Il n'y a même pas les... Il n'y a même pas d'ingrédients, il n'y a rien, il n'y a que dalle, quoi, voilà. Juste en bas, tu vois, il est marqué contient du malt d'orge, c'est tout. Voilà, voilà, tu as le nom de la bière, le machin. Ici, tu as le degré en dessous, contient du malt d'orge. Tu sais, comme dans tu achètes un paquet de biscuits ou machin ou un truc, il est marqué contient, voilà, autant, mais il n'y a pas tous les ingrédients, c'est juste pour savoir si pour les allergiques ou quoi. Voilà, on sait qu'il y a ça dedans. Donc, voilà, voilà, c'est la bouteille. Tu peux même faire. Le poivreau, mais franchement, c'est, je vais pas dire que c'est dégueulasse, c'est de l'eau. Ça a même pas de goût, en fait, ça a pas de goût. Je vois aucun goût dans ce truc. Voilà, c'est chelou. Par exemple, je la secoue un petit peu, ça fait de la mousse. Donc, c'est pas du bien joué encore pour le numéro 10.
On en a eu 3-4 hein, au final. Bon, il y en a eu qui étaient bonnes, même des légères que je vous ai dit qui étaient très bonnes. Mais on a eu 3-4 bières de l'eau, quoi. On en a eu 3-4 que c'était vraiment de l'eau avec très peu d'alcool. Et c'est chelou. Pour vous dire, j'ai mon estomac, je sens que c'est comme quand tu bois une bouteille, t'affonnes une bouteille d'eau, là, ça tient mon estomac tout liquide. Là, ben, c'est ça, franchement. Voilà, le peu de gaz qui ressort. Donc aujourd'hui, petite histoire de Malinou. Voilà, donc ma sœur, pour ceux qui l'ont déjà croisé sur les lives, etc. Donc voilà, c'est une toute petite histoire de rien du tout. Voilà, c'est comme Sub-Zero, en fait. C'est des petits trucs de tout, de rien du tout. Mais c'est que, voilà, au moment où ça s'est passé, j'ai connu plus ou moins le même truc. Donc c'est pour ça que c'est cool. Voilà, que c'est cool. Donc mon histoire, super, super, super courte. Voilà, mais je crois qu'elle est plus longue que celle de Sub-Zero. Au final, enfin, bon, en texte. Donc un jour au soir, j'étais chez ma marraine. Il y avait un peu de neige, mais ça allait. Voilà. Je suis resté 2 heures et en sortant de là, je vais aller à ma voiture et pas moyen, du verglas partout, je glissais, une rue qui monte. Alors je sais précisément que ça s'est passé au mois de décembre 2018. Voilà, parce que normalement, hein, si c'est 2017 ou 2018, mais d'après de ce que j'ai réfléchi tout, normalement c'est en décembre 2018. 2008, voilà. 2018, on n'y est pas encore du coup. Mais je prédis peut-être le futur, peut-être que l'année prochaine ça vous arrivera. C'était en décembre 2018 parce que même moi j'étais parti chez un pote et de là on a voulu monter chez un autre pote dans une rue qui monte aussi à pied puisque c'est pas loin, pas besoin de prendre la voiture et en plus ouais, il neigeait et tout le bazar, mais ça glissait pas. Voilà, j'ai fait quoi, 15-20 km pour aller jusque là, nickelou, je suis arrivé tranquillou, hein, voilà, boire un petit coup, petite bière au calme et après dire bah, on va aller chercher l'autre poteau. Et dans une rue qui monte, et ouais, c'était verglacé de chez verglaçant, que ouais, tu pouvais même pas monter. Alors qu'est-ce que tu mets? Du coup, j'ai dû trouver une solution pour ne pas glisser. Alors je vais dire d'abord ta solution, parce que moi, j'ai même pas pensé à faire ça. C'est ça, c'est que quand tu m'as mis ça, j'ai dit, ben, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Mais c'était la disons, donc on n'y pensait pas, on était trop jeunes. Donc, du coup, j'ai trouvé une solution pour ne pas glisser. J'ai retiré mes chaussures et j'ai dû marcher en chaussettes jusqu'à ma voiture. Les voisins qui se moquaient de moi. Conclusion, si vous avez du verglas chez vous, sortez en chaussettes, vous pouvez aussi mettre vos chaussettes au-dessus de vos chaussures. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas pensé à retirer mes chaussures, à te mettre en chaussettes pour voir si ça glissait pas. Parce que là, il n'y avait pas de neige sur la route, les gars. Voilà, il n'y avait pas de neige sur la route. Parce qu'on dit, ouais, il neigeait, mais il avait neigé, mais enfin, de la neige fondante, je sais pas, mais il gelait. Voilà, il gelait, c'est un peu comme maintenant, enfin, à mon avis, dans une semaine ou deux, ça va vraiment être ça. Il gèle, il fait moins 2, moins 3, mais il n'a pas plu. Là, je sais que moi, il n'y avait pas de neige, un tout petit peu, mais pas grand-chose. Et moi, pour monter la rue, du coup, on a marché avec les pieds comme ça, les pieds comme ça, tu vois, les pieds tout chelous, dans les... La gouttière, tu vois, le bord du trottoir, tu vois, ce que tu as les rigoles, voilà, les plaques d'égout. Et là, en fait, tu avais des petits graviers de rien du tout. Et on essayait d'agripper nos chaussures, mais c'était un truc de malade parce que plus tu montais, et si tu te dis, ça y est, si je glisse, je descends tout jusqu'en bas. D'ailleurs, après, 2-3 heures plus tard, on est redescendu. On se faisait aller comme ça, les gars, comme une planche de surf, et on glissait tout seul, toute la rue. Et un truc de malade. Mais c'était en décembre 2008 et ouais, depuis j'ai plus jamais connu ça. C'est vraiment la seule année de toute ma vie que j'ai connu ça. Et voilà, j'espère qu'on n'aura plus ça. Bon, après c'est marrant, voilà, tu peux aller délirer ou faire des petits trucs comme ça. Mais bon, quand tu dois aller au boulot, quand tu dois faire voilà, des trucs importants, façon de parler, ben, tu sais pas bouger comme tu veux et c'est un peu la galère. Donc voilà, la prochaine fois que ça arrive, en espérant que ça n'arrivera pas en 2018, si maintenant ça arrive en 2018, c'est moi qui l'aurais deviné, voilà, en me trompant, disons. Mais voilà, et vous pourrez tous penser à moi. Et on ira tous, voilà, grâce à Malinou, on ira tous en chaussettes au Japan Expo de Paris en plein hiver. Voilà, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Donc, sur cette Brahma brésilienne, voilà, qui est... Bah, franchement, buvez même pas ça. Voilà, n'achetez même pas la bouteille, moi, je vous la recommande pas du tout. Voilà, on a eu celle à 4 degrés, là, je sais plus c'était quand, je sais même plus c'était laquelle bière. La petite à 4 degrés, qu'on m'a dit, ouais, c'est 4 degrés, je sais pas quoi. Mais elle était meilleure que celle-là.
Et même pour vous dire, la Ginette. Voilà, la Ginette, je vous dis, c'est de la bière coupée à l'eau, recoupée à l'eau. Ça a encore moins de goût que la Ginette. Donc pour vous dire, la Ginette, c'est une bière bio, machin, qui n'a pas de goût. Ça en a encore moins. T'as l'impression de boire de l'eau. C'est vraiment ça, en fait. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, je... Ah, attendez, attendez, voilà. Ne partez pas. Ne partez pas. Vous n'allez pas vous êtes assis dans votre fauteuil, votre canapé, ou voilà, je sais pas, sur votre smartphone, dans votre voiture, on sait pas où. À l'arrêt, bien sûr, la voiture. Voilà, dans l'épisode, allez, je dis épisode, voilà, je sais plus quel jour, voilà, bref, je vous avais parlé du livre d'or de Picsou, donc voilà, et je vous avais dit que depuis celui-là, en fait, j'avais pris le nouveau, les magazines, là, j'allais dire mensuel, mais en fait, j'ai appris depuis hier que c'est pas mensuel, mais c'est tous les deux mois, voilà, je sais pas comment on dit, et j'avais pris celui-ci. Juste après, ben en réalité il est sorti juste avant celui du mois d'or, celui en or, voilà. Il est sorti en octobre et celui du mois d'or est sorti en novembre du mois d'or, je ne sais pas pourquoi je dis le mois d'or. Ça c'est le chamois d'or, tu vois, je ne sais plus c'est dans quoi, chamois d'or, voilà. Et c'était hier, avant-hier, je ne sais plus, là de la semaine, j'ai vu ben, le numéro suivant, donc c'est le numéro 203. Et évidemment, il y a les 4 nouvelles aventures, donc avec le nouveau design en bande dessinée des nouveaux Picsou. Et je me suis dit, voilà, c'est 5 euros, hein, 4,90 en France et 5,20 ou 5,30 en Belgique, parce qu'on paye une taxe pour tous les trucs comme ça, les magazines jeux vidéo et tout, c'est pareil. Normalement, il y a un prix, voilà, ici, il y a tous les prix de tous les pays. Vous voyez, la Suisse, tout a des prix différents. Belgique, c'est 5,30, voilà, 5,30. Et voilà, je l'ai pris, voilà, j'ai fait, vas-y, de toute façon c'est 5 euros, même si c'est tous les mois, parce que je n'avais pas encore vu que c'était tous les deux mois, c'est parce que j'ai été voir pour faire l'abonnement, et en fait c'est tous les deux mois, et si tu le prends par an, tu payes 25 euros par an, et tu gagnes 5 euros, on va dire. Donc voilà, moi, depuis des années, je les vois dans les points presse, et dans tous les trucs que j'ai près de chez moi, donc je ne vais pas spécialement faire l'abonnement. Et voilà, d'ailleurs, hein, suivez mon Instagram, les gars, il est dans la description dessus, je l'ai mis en public, comme ça vous n'êtes pas obligé de me faire une demande, vous pouvez voir les photos. Tranquillou, d'ailleurs la semaine, voilà, j'ai mis une petite photo avec des deux bouquins. Et après, bon, je me suis renseigné et tout le blabla. Et en gros, à partir du numéro 202, donc celui que j'avais pris la fois passée, il y a le début des lancements des nouvelles bandes dessinées, voilà. Exclu aux épisodes TV, bien évidemment, qui vont arriver, le premier sorti. Et alors, il commence, c'est une nouvelle, on va dire, c'est comme si ce serait une nouvelle collection. Voilà, il nous commence aussi une nouvelle image sur la tranche, puisque l'autre image était finie. Et ça commence à partir du numéro 202. Voilà, donc j'en ai 2-3 qui sont venus me demander. Coucou à Sega Emulsion aussi en même temps, voilà, qui m'a dit ouais, tu crois que c'est intéressant ou machin, parce que j'avais posté le deuxième. J'ai parlé un peu avec, et comme moi je lui ai dit, voilà, le numéro 201 n'a rien à voir. C'est un ancien design de couverture. C'est vraiment à partir du 202 qui est presque introuvable. Voilà, hier j'en ai trouvé un. Ben pour Sega Emulsion, justement, parce que j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, il en reste un. Parce que quand j'ai pris le nouveau, voilà, ici, c'était mercredi, je pense, il restait un comme ça. Et je lui ai dit, ben, je vais aller voir s'il y est, comme ça, au pire, je te le prends, parce que lui, il a été faire plein d'endroits près de chez lui et il ne le trouve pas. Et c'est le numéro du mois d'octobre. Mais si vous arrivez à le trouver, les gars, vous prenez celui-ci du mois de décembre et vous êtes parti pour une belle petite collection. Vous allez avoir l'image complète sur la tranche et vous aurez toutes les BD de nouveaux Picsou, voilà, même si vous n'aimez pas. Le chara-design des personnages et tout, mais non, franchement, c'est stylé en bande dessinée. Non, regardez, ça passe vraiment bien. Ah, attendez, ben, y a le nouveau ici, voilà. Ouais, ça, c'est l'image de la couverture, ça sert à rien de vous la montrer. Mais regardez, en bande dessinée, franchement, ça passe, tu vois, le Picsou, il est un peu moins dégueulasse et tout, franchement. Voilà, regardez l'image ici avec Donald, voilà, tu vois, non, c'est nickelou. Franchement, en bande dessinée. Et si vous voulez vraiment avoir toutes les bandes dessinées, parce qu'à mon avis, pour les trouver, après, c'est comme les magazines presse et tout ce qui est invendu, ça repart dans le stock et ça part à la déchiqueteuse. Donc voilà, moi, voilà, si vous voulez vraiment commencer un truc de Picsou, parce que moi, j'ai rien, voilà, je vous avais dit, moi, j'ai pas de livre collection de Picsou à part un ou deux hors-série spéciales comme ça. Et du coup, ben, moi, perso, voilà, à partir du 202 ici, ben, je commence. Voilà, je vais me faire les petits Picsou super géants, super Picsou géants magazine. Et voilà, donc n'hésitez pas à les faire si vous aimez un petit peu beaucoup bien Picsou. Et puis pour 5 euros tous les deux mois,
ben, ça coûte rien du tout, quoi. Et voilà, même 25 euros par an, et c'est le top. Mais passez par le site internet, vous aurez encore une réduction de 15%, je ne sais plus quoi. Ah, voilà, c'est pas sponsorisé, rien à voir, c'est parce que j'ai été voir justement. Mais comme je les vois tous les jours, voilà, je passe tous les 2-3 jours, je passe et je vois tout le temps, depuis des années, je les vois ces bouquins-là. Comme le Mickey Magazine, comme le Pokémon Magazine, le Yu-Gi-Oh! Magazine et tous ces trucs-là. Et donc voilà. Donc sur ce, les amis, je termine quand même de l'eau. Je termine de l'eau, un petit verre d'eau pour le fun, un petit chipitos au fromageon. Voilà. Aujourd'hui, on fait pas des dégustations de sushis. Hein. Regardez, ça pétille même plus, quoi. La bouteille, elle est ouverte depuis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je sais pas combien. 15 minutes, et il n'y a plus une bulle. C'est plat. C'est plat, quoi. Au limite, voilà, il n'y a pas assez de pression dans la bouteille. Il n'y a plus une bulle, les gars. Plus une seule. Trop chelou. Donc, allez, sur ce verre d'eau. Voilà, et en plus, pour finir, Malinou, je sais qu'elle, voilà, elle boit pas de la bière ni rien, mais elle regarde quand même les vidéos. Donc ça, c'est cool. Et c'est pour ça que cette année-ci, comme je vous disais, je ne parle pas que de la petite dégustation de bière. Je vous présente un truc quand il n'y a pas d'anecdote. Mais là, voilà, vous pouvez encore les envoyer, les gars, mais ça diminue parce que je pense que demain, il y en a une, après-demain, il y en a une. Et voilà, les jours diminuent, il y a quelques petits trous à boucher et on finira, pardon. Et le dernier jour, s'il n'y a rien, voilà, le dernier bouche-trou, ce sera mon ami le docteur. Sur ce, ciao ciao les amis et santé. Là, tu peux voir la descente rapide, c'est de l'eau. Franchement, c'est de l'eau, les gars. Allez, ciao ciao et à demain. Et j'en rajoute toujours, c'est parce que j'oublie, la rediffusion de Cameo, elle sera disponible ce soir ou demain soir, voilà, peut-être lundi, à limite mardi maximum, mais voilà, je suis en train de l'encoder et voilà, ça, après je vais, elle est plus longue à uploader évidemment, puisque c'est pas un Berry Christmas de 20 minutes. Donc voilà, selon mon upload du Berry Christmas ou machin, ben ça arrivera lundi ou mardi maximum. Vous aurez la fameuse rediffusion de Cameo. Et voilà, on fera bientôt un petit live parce que ben voilà, hier, il n'y a pas eu de live. Et la semaine prochaine, normalement, on fera un petit live samedi prochain. Donc voilà, sur ce, cette fois-ci, ciao ciao les amis et à bientôt. À demain. Voilà, à demain. Ciao ciao.